Voici les tableaux de mon grand-père, Saburo Nakajima, le père de ma mère. Il a commencé à peindre à l'âge de 60 ans, quand ma mère lui a offert une boîte de peinture. Il était un vrai amateur. Il aimait peindre simplement, sans ambition. Il a beaucoup peint. Ses tableaux sont ses chefs-d'œuvre. Ils expriment bien ses qualités. J'ai toujours voulu parler de la vie et de l'art de mon grand-père. Mais à part ces deux tableaux, il ne reste que quelques carnets de croquis et de brouillons. De plus, maintenant que je vis en France, je n'ai ni photos, ni documents, rien sur la main. Mais quand même, puisqu'il me reste encore la mémoire et mon imagination. L'église Saint-Nicolas à Tokyo, où appartenait sa famille. Ils habitaient à Kozu, ville d'Odawara. Mon arrière-grand-père et sa sœur. On dit qu'il était grand et avait les yeux bleus. Saburo, mon grand-père, est le troisième fils, né en 1914. Quand il était petit, il était faible et pleurait toujours. Il est sorti d'une école d'ingénieur. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été envoyé en Chine par conscription. Là-bas, il avait croisé un groupe d'hommes qu'on appelait « objecteurs de conscience ». Beaucoup plus tard, des décennies plus tard, il les retrouvera dans sa vie. Mes grands-parents et leur mariage, Saburo et Takako Nakajima. Ils ont trois enfants. La vie n'était pas facile. Ma grand-mère travaillait dur aussi. Il était tout à fait nul concernant l'argent et ne savait pas parler faux. Un jour, il est parti pour récupérer de l'argent de ses clients. Mais n'a pas réussi à récupérer un sou. En rentrant à la gare, il a dû appeler ma grand-mère pour qu'elle vienne le chercher. Il n'avait même plus de quoi s'acheter un ticket de bus. Ma mère, dans son enfance, elle travaillait comme dessinatrice dans une entreprise et en même temps, apprenait la peinture à l'école des beaux-arts à distance.
Dieu aise Marie et je suis née. La maison de mes grands-parents à Fujisawa, grande ville au bord de la mer. Face au boulevard était le magasin de chaussures. La nuit en était, des troupes de motards passaient juste devant la maison. Un moment à l'après-midi, le temps reposait calmement sur le passé dans cette maison. Mes grands-parents, dans mon souvenir. Leur lutte pour vivre était enfin terminée. Leurs trois enfants étaient partis. Le couple vivait tranquillement dans leur petite maison. C'était en ce temps-là qu'il a commencé la peinture. Le petit atelier de mon grand-père au premier étage, rempli de l'odeur lourde de peinture. Il était pur autodidacte. Il achetait des livres et des revues de peinture et apprenait des techniques pratiques. C'était aussi en ce temps-là qu'il a commencé à étudier la Bible. Il avait retrouvé dans un groupe chrétien les objecteurs de conscience croisés pendant la guerre. Il est un grand fumeur depuis des années. Mais on dit, ce n'est pas bon pour la santé et endommage aussi la santé du prochain. Depuis lors, il a arrêté pour toujours, n'a jamais repris une seule cigarette. Nous rendions visite chez eux en été. Il était toujours très calme et taciturne. Il essayait de dire quelque chose de drôle et de me faire rire. Il y avait toujours des invités, des voisins, des clients du magasin, leurs camarades chrétiens, les élèves de ma grand-mère. Elle était enseignante de Ikebana. Elle préparait les fleurs chaque fois qu'il y avait des événements à l'église. J'apprenais le piano. J'enregistrais des morceaux sur cassette pour les lui donner. Il peignait en les écoutant. Un jour, la bande est sortie de la cassette. Il a soigneusement tout retiré. La rembobinée a pu la réécouter. À la table de petit déjeuner, l'impression inoubliable d'une paix. Il aimait la propreté et prenait un bain tous les soirs. L'audio prothèse qu'il a toujours porté. Il parlait très haut au téléphone. Ses grosses mains nues, son sac de prédication en cuir marron.
Il avait une mauvaise vue, de pire en pire, malgré plusieurs interventions. Sa dernière peinture à lui. Les détails de ses fleurs rouges étaient misérablement écrasés d'une touche plate et perdue. Mais il n'a pas déchiré ses toits de désespoir comme Monet. En revanche, il a commencé l'aquarelle. Amour, miséricorde. Il commence toujours par une voix basse et ridée. Amour, miséricorde. Les petits enfants s'amusaient à imiter d'une voix rauque. Dans sa congrégation, il a eu un poste d'assistant pendant de longues années. Puis il a été finalement nommé ancien. Mais bientôt, ma grand-mère est tombée malade. Il a fait beaucoup d'efforts pour s'occuper d'elle. Aller faire les courses à vélo, emballer ce qu'il achetait dans un sac à dos et porter. Il avait tellement envie de rester vivre dans sa maison, dans sa ville. Dans une autre ville lointaine. Ils avaient quand même une adaptabilité incroyable. À leur nouvelle congrégation et nouveaux camarades. Là comme avant, les services, la prédication. Il est monté sur scène et a salué la congrégation lors des funérailles de ma grand-mère. Aujourd'hui, je sens vraiment que Dieu est avec moi. Je suis venu vraiment remarquer sa manière de vivre depuis qu'il est passé par ces dernières années. Ne pas pouvoir voir n'est pas si mal. Si on est paresseux et que l'on ne fait pas le ménage, on s'excusait. Ah, je ne voyais pas les poussières. À 90 ans, il avait le goût d'un enfant. L'impression de mon grand-père, un esprit fort, comme un vieux arbre. Quand j'étais à côté de lui, j'ai senti son énergie calme et chaude. Un esprit libre, généreux et nonchalant, fidèle à ce qu'il aimait. Quand j'essaye de penser à la forme de son âme, je me souviens d'une masse d'ombre. Il refusait d'utiliser un fauteuil roulant, car il voyait beaucoup ses voisins qui, une fois qu'il l'utilisait, ne pouvaient plus remarcher. Mais un jour, bien qu'il souriait, il m'a cité le psaume. Le jour de nos années s'élève à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous en volons. À cette époque-là, je voyageais en Irlande. Et fait un livre d'art de paysages que j'ai dessiné. C'est lors de ma dernière visite que je lui en ai donné un exemplaire.
En le regardant, il a dit « L'Irlande, elle a l'air intéressante. Je vais y aller un jour. » Pour sa dernière grande série, il a peint une cinquantaine de petits tableaux de fleurs et de fruits et les a donnés à tous les résidents de sa maison de retraite. Celui de la nef bleue, il me l'a donné et je le garde toujours. Il faisait les prédications jusqu'à 2 jours avant sa mort. Ce jour-là, à la porte de la maison de retraite, il s'est tourné vers ses camarades et a dit « Si j'ai pu travailler ainsi jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à vous. » Ma mère lui a demandé une fois « Comment peux-tu peindre sans voir ?» Alors il a répondu « Je peins avec les yeux de mon cœur. »